Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 14 novembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons aujourd'hui est « Domine sur les circonstances ». Oui, bien aimé. Dominer les circonstances, domine ton monde en prononçant des paroles pleines de foi. Le pasteur nous dit à partir de Marc 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le Seigneur Jésus a vécu une vie de foi exemplaire lors de son séjour sur cette terre. Sa confiance et son apparente maîtrise des circonstances de la vie sont impressionnantes. Il a ébloui tout le monde avec sa vie extraordinaire de domination. À une certaine occasion, ses disciples n'ont pu s'empêcher de demander à haute voix, à la stupéfaction totale, dans Luc 8, 25, « Quel donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui il obéisse ?» Et Luc 23, 8, 23, 24 nous raconte l'événement qui a suscité cette question de la part des disciples. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Observe attentivement ce que le maître a fait. Il a reprimandé le vent et les vagues déchaînées, ce qui signifie qu'il a prononcé des paroles. En fait, il a dit, on peut le lire dans Marc 4 en 9, « Silence, tais-toi !» Et il y a eu un grand calme. Cela nous donne un aperçu de la manière dont il a vaincu les circonstances. Il a dominé les circonstances négatives par des paroles pleines de foi. Il a prononcé des paroles et des yeux aveugles se sont ouverts. Des membres endommagés ont été restaurés et des oreilles sourdes ont été débouchées. Il a parlé et Lazare, qui était déjà mort et enterré depuis 4 jours, est revenu à la vie. Il a fait tout cela pour montrer que nous pouvons faire de même. Car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Alors lève-toi, domine et façonne ton monde avec des paroles pleines de foi et regarde ta vie passer d'un degré de foi à un autre. Fin de la rhapsodie. Alléluia, bien-aimés. Ce matin, nous avons un élément de plus encore pour marcher dans la domination, nos paroles. Le pasteur nous fait comprendre, en nous racontant l'histoire de Jésus avec ses disciples dans la barque, que nos paroles sont puissantes, puissantes et vraiment efficaces. Comprends que lorsque tu parles, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu es en train de commander. Parce que étant né de nouveau, tu as reçu l'autorité d'un Dieu. Tu as reçu l'autorité. Jésus t'a transféré son autorité. Donc, face aux circonstances, face à l'adversité, arrête de te plaindre, mais parle. Vois-tu, les disciples étaient dans la barque, ils murmuraient. Imagine un peu, ils ont murmuré, ils étaient dépassés. Ils disaient, ah, on va mourir, on va périr. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Mais ils auraient pu parler. Jésus a simplement ordonné, de la même manière, quel que soit l'état de ta barque, quels que soient les troubles, ne te complais pas dans ta situation étant désespéré, ne t'enfonce pas dans des murmures, mais parle à tes circonstances. Si c'est une maladie, dis-lui, ça suffit. Si c'est le découragement, refuse. L'accusation, refuse. Parle à ta circonstance. Considère toutes tes circonstances comme étant des montagnes.
Ces montagnes-là, toi, tu as reçu le pouvoir par tes paroles de foi de les changer, de les retransformer, de les créer même. Tu, par tes paroles, tu crées. Tes paroles appellent à l'existence des choses qui n'existent pas. Ta parole arrête des choses qui se passent. Ta parole transforme des circonstances. Ta parole change des situations. Ta parole peut renverser des états. Ta parole est puissante, bien-aimé. Et souvent, on se laisse aller, on peut se dire que nous sommes impuissants, mais ce n'est pas vrai. Nous avons un outil inimaginable. Nous avons un outil d'une puissance inimaginable dans nos paroles. Et comprends que chacune de tes paroles crée ton atmosphère, crée ton environnement. Si par exemple tu rentres du boulot et tu as l'habitude de confesser « je suis fatigué », ne t'étonne pas que tu sois fatigué en fin de journée. Si tu as l'habitude de confesser « je suis malade, je me sens pas bien », ne t'étonne pas que tu ne te sentes pas bien après. Parce que c'est ta parole qui est sortie, c'est cette parole qui allait rencontrer l'ennemi et qui les a récupérés pour les appeler à l'existence. Mais toi, ta parole doit aller au contraire de tes sensations, de tes émotions, de ce que tu vis. N'oublie pas que tu es un être spirituel et ce que ton corps ressent, ce n'est pas ce que toi tu ressens. Parce que tu habites uniquement ce corps, tu n'es pas ce corps, tu es une nouvelle création qui habite dans un corps. Toi, tu es de la nature de Dieu. Tu es un être divin. Tu es une nouvelle création. Et cette création ne peut pas être malade, ne peut pas être fatiguée, ne peut pas être déprimée, ne peut pas être pauvre, ne peut pas. Tu as reçu la même gloire que Dieu. Dieu a partagé sa gloire avec toi. Tu es la justice de Dieu. Tu ne peux donc pas être désavantagé. Tu ne peux donc pas... Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Et toi, Dieu te dit, tu as l'autorité pour chasser ces choses, tu as l'autorité pour transformer ces choses, tu as l'autorité pour arrêter ces choses, cette montagne, ce vent, ce trouble, tout ce qui vient perturber ta tranquillité, tu dois l'arrêter par toi-même, par ta parole de foi et ne te décourage pas. Si au début que tu commences à pratiquer cet exercice, tu ne vois pas, continue, persévère, médite encore sur la parole et vas-y, applique cette parole et tu verras comment toi, tu vas créer ton monde, tu vas créer ton environnement, tu vas changer tes circonstances. N'oublie pas que c'est toi qui domine, c'est toi qui règne. Tu dois rester dans ta position de roi et d'autorité à tout moment. Regarde les circonstances et souris et parle. Regarde tes circonstances, bien-aimé, souris et parle, alléluia, change ton monde. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Jean 4 au verset 4 et dans 1 Jean 5 au verset 4. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Je sais qui je suis. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Le monde est à moi parce que je suis cohéritier avec Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vis la vie de l'excellence, de la victoire et de la domination sur Satan. Je règne triomphalement en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre le temps ce matin pour méditer et proclamer des paroles qui changent nos vies. Nous allons méditer dans Marc 11, verset 23, qui dit ceci. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Kosharabasandia. Oui, moi je parle à mes montagnes. Je leur demande de se retirer devant moi. Et je ne doute pas dans mon cœur lorsque je parle. Je crois que ce que je dis à
arrive. Je crois que ce que je parle s'accomplit. Je ne doute pas dans mon cœur lorsque je parle. Devant les circonstances, je parle et je change. Devant les circonstances, je parle et je transforme. Devant toute chose, j'appelle à l'existence et cela arrive. Kontaribo sabrakaya. Ce que je veux voir apparaître, je le parle et je le crée par mes paroles. Rontaba sekerebotaya. Je chasse la maladie par mes paroles. Je chasse les circonstances désavantageuses par mes paroles. Je transforme mon monde par mes paroles. Je change mon environnement par mes paroles. Kentabo sante kereko sakaraba. Tout ce que je dis arrive. Koraba shikaraba santea. Riko sabrakaya kerekontaya. J'arrête l'œuvre de l'ennemi. Kontaba kase kerebontaya. Par mes paroles. Konta rikonta brake shekaya. Reka santea. Je détruis, je brise les portes fermées devant moi par mes paroles. Koraka sekerekontaya. Parce que je n'ai qu'une seule direction. De gloire en gloire. De succès en succès. Rabasonte berekonta braka shikaya. Rikontoya bakanteya. Tout vent violent qui se dresse devant moi, qui se lève devant moi, je l'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Bariko braka shekaya. Rekontaya. Toute forme de pression, j'y mets terme maintenant dans le nom de Jésus. Boroso kobekere korokosoro. Rintebereboun tabarababoun. Bonto konte kereboum. Banta braka shikaya. Parakaya, mes paroles sont puissantes, mes paroles sont efficaces. Korisha brakaya, risonto barabakaya, risakaya, je triomphe toujours par mes paroles. Korasikaya, je suis consciente que mes paroles, quand je parle, mes paroles sont puissantes et efficaces. Mes paroles agissent. Oshika riko sabrakashikaya, riko santarabaya. Je ne doute pas quand je parle. Je parle avec confiance, avec autorité. Parce que je crois que mes paroles s'accomplissent. Konta, je fais attention à mes paroles. Mes paroles sont pour bénir mon monde, pour bénir mon environnement. Bo sante, bereko, konta bashakaya. Je ne murmure plus. Je ne marmonne plus. Quand je ne me plains plus. Parce que j'ai ma parole comme un outil puissant, comme un outil efficace pour changer mon environnement, pour changer mes circonstances, pour changer tout ce que je vis, pour arrêter ce que je ne veux pas voir et pour stopper ce qui avance au devant de moi, pour retirer de mon chemin, pour arracher, pour déraciner toute plante que je ne veux point voir dans mon jardin, pour toute plante que je ne veux point voir dans ma vie. Je l'arrête, je l'arrache, je le jette au loin au nom de Jésus. Renta brosko robo shakaya. Toute circonstance qui me retient, qui me forme de limitation, je l'enlève maintenant, je l'ôte de mon chemin dans le nom de Jésus. Rika sontoroboya, rika shaka. Je proclame l'accélération, la vitesse dans tout ce que j'entreprends. Koreka sante, la détermination, la persévérance, la gloire, le succès au nom de Jésus. Rika gontoroko sabrakaya, rika ntaka shakaya, kontoroko shakaraba sante. Je suis toujours énergisé, je suis toujours kante karaba sante. Déterminé dans tout ce que j'entreprends dans le nom de Jésus. J'avance, oh yakaraba santé, avec assurance, transformant, changeant, créant, oh yakasentea, autant brisant que reko sabrakaya koro sarabakaya, appelant à l'existence, oh kayaba, tout ce que je veux voir apparaître par mes paroles. Oh yakasentea, j'avance en créant, hey yaba santea bente berebo sarababa, j'avance en transformant, j'avance, j'appelle à l'existence, je crée. Hey, je change, je transforme. Oh karababa, parce que mes paroles sont puissantes. Oh reka santea, efficace. On tereba santere bobo shabrakaya. Rikonta rababa, ha ha ha. Oh reke shekerebo rababa saya. Rikonta braka rebe serebo shabraka. Rikosanta rababa. Yeshua ka rikosante kereo shabraha. Rikonto yo haraka shikaya. Hallelujah. Rako santo yo. Bereko braka shikarabaya. Ha ha ha. Oh rekenta ya. Oh, mon monde est merveilleux. Oh, mon monde est beau. Mon monde est admirable.
Karishakaya, parce que je l'ai transformé à la volonté de Dieu. Harasandea, je l'ai aligné. Oh, à la volonté de Dieu. Harabashandea. Donc j'avance dans un monde parfait pour moi, dans un environnement parfait pour moi, pour mon équilibre, parce que j'appelle à l'existence tout ce qui peut me manquer. Je ne manque donc de rien. Sekereko saraya, rio sante vrekaya, hey, rondorevo shabrahia, rindaravo sante revo yabrakashikaya. De quoi puis-je manquer? Parce que ma parole est là, puissante, efficace, pour créer ce dont j'ai besoin, pour transformer, pour arrêter, rika sabrahi shante, pour mettre un terme, rondereko santea, ou pour ouvrir, ha ye ye ha ha, oh rakashikaya, rinde. Oh, quelle joie, quel bonheur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné d'opérer par ta parole. Par la parole, nos paroles sont puissantes. Merci pour l'autorité que tu as mis dans nos paroles. Alléluia. Contea, oh Santea, je proclame ma victoire. Je proclame ma santé. Par mes paroles, je bénis ma famille. Je bénis mes finances. Je bénis mes études. Je bénis mon travail. Je déclare, allez. Oh, je crée, j'appelle à l'existence. Alléluia. Oh, Serekea. Je règne, je domine. Oh, continuellement, permanemment. Alléluia. Bien-aimé, sors de chez toi ce matin en étant rempli, conscient que tu domines. Parle. Arrête des choses avec ta parole. Ne te plains plus du tout, mais change, transforme, crée, appelle à l'existence parce que ta parole est puissante et efficace. Et n'en doute pas. À demain.